salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur WWE Supercard donc euh, comme vous l'avez pu là, le voir il y, y, y a quelques secondes euh, j'ai eu, eu mon dernier reset là, dans le tableau de draft exclusif et il s'agit du phénoménal AJ Styles l'actuel champion par équipe d'euro avec Homos. Euh, voilà donc euh, ça fait plaisir elle fait plaisir cette petite pioche parce que AJ Styles mine de rien c'est pas n'importe qui c'est un ancien champion du monde voilà et c'est une des meilleures cartes que ce soit dans le euh, dans le classement en termes de stats ou en termes de nom, voilà. Donc euh, ça fait plaisir. Et elle passera pro euh, par la suite, il euh, n'y a aucun doute euh, là-dessus, voilà. Et euh, je vais changer la tourque. Euh, tiens, euh, je vais mettre la tourque de la Reshaman 36 Fusion qui qui passe très bien d'ailleurs par rapport à, au, au design de la carte, voilà. ça, ça le fait très bien, j'aime j'aime beaucoup donc euh, je vais laisser celle-là, voilà. J'en profite aussi pour euh, vous rappeler que depuis quelques jours il y a une quête spéciale de disponible. Donc euh, cette quête euh, s'appelle de euh, Table. Hein vous l'avez reconnu, hein c'est Roman Reigns. Euh, donc il euh, n'y a rien de plus simple. Les défis sont assez simples, rien de compliqué. Il euh, faut charger 15 fois le super move, euh, réinitialiser 40 fois le tableau de draft. Euh, faire un match et gagner un match en utilisant une carte de Roman Reigns donc vous le faire 50 fois euh, faire 3 pros de Roman Reigns et obtenir 15 cartes de Roman Reigns donc euh, pour obtenir les cartes euh, franchement rien dur hein. donc euh, vous, si vous la, si vous obtenez une carte de Roman Reigns en pioche ou dans un pack euh, ça ce sera pris en compte pour, pour la quête donc il n'y a pas de problème après faire deux pros de Roman Reigns euh, euh, faire 3 pros de Roman Reigns et bien, vous faites de la Dès que vous faites 3 pro argent, euh, ce sera pris en compte. Parce que ça demande de faire 3 pro et pas 3 pro parfaites. Donc euh, c'est bon, 3 pro euh, argent, puis basta, on n'en parle plus. Euh, faire un match et faire et gagner un match euh, avec, en, avec une carte de Roman Reigns. 50 fois, ben, ça c'est simple, vous faites du PVP en... Vous faites du Royal Rumble. Vous faites du Royal Rumble, c'est le mieux. Et puis vous adaptez votre deck comme il faut, et puis ce sera très vite fait. 50 matchs, ce sera vite fait. Après, réinitialisez le tableau de draft ou perdre des cas vous achetez des packs à 45 super coins pour avoir 25 pioches à chaque fois, et ça ira vite aussi. Mais je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de faire ça parce que si, au passage, si vous jouez du PvP, du Royal Rumble PvP pour faire 50 matchs de Roman, vous aurez des pioches au passage, donc ça ira vite aussi avec les pioches du PvP que vous aurez. Et pour le super move, ben, ça se fera naturellement, je pense. Et généralement, quand vous perdez un match, vous gagnez 2% en plus que, que par rapport à quand vous gagnez. Parce que quand vous gagnez, il me semble que vous gagnez que 2%. Et quand vous perdez, vous, vous gagnez 4%. C'est-à-dire le double. Pour recharger euh, la, la jauge euh, du super move. Donc, pour faire les 50 matchs et, et avec euh, une carte de Roman, c'est simple. Vous adaptez votre deck. Hein, votre deck euh, Royal Rumble. Donc là comme moi j'ai mis quasiment full full gothique voilà donc ce que je fais regardez ben c'est simple euh, je vais faire ça donc là j'ai deux Roman Reigns BMOT euh, money de bank là, à disposition en pro j'ai une pro money de bank à faire de Roman Reigns ça tombe très bien parce que je dois le faire donc euh, je vais mettre deux les deux Roman Reigns BMOT. Euh, je vais aussi mettre le Roman Reigns euh, forge parce que je dois le pro aussi d'ailleurs merci les notifs <laughs> Euh, où il est il est, là, il est là, il est là, voilà. Voilà, au le travail. Après il m'en manque une, mais bon c'est pas grave. À la limite si je veux, je cale euh, sa carte event ce et 16 20 voilà. Donc en gros vous faites ça, voilà. vous, vous adaptez votre deck euh, en Royal Rumble, donc vous mettez, full, vous mettez 4 cartes de Roman Reigns. Que ce soit une spatiale ou peu importe le niveau, on s'en fout. Et puis ensuite, vous mettez tout des gothiques. Vous adaptez votre deck Royal Rumble comme ça. Et, et puis c'est parti, les 50 matchs à gagner avec une carte de Roman, ça va aller super vite. En Royal Rumble, ça va très vite parce qu'à chaque fois, si vous, vous calculez bien votre coup, vous faites à chaque fois, vous pouvez très facilement faire entre 14 et 15 0. Voilà. Vous pouvez facilement faire un record de 14 0, 16 0. Donc ça va très vite. Vous tapez un peu de pub et puis, puis basta les 50 matchs. Les 50 matchs ils seront faits en une demi-heure. Grand max. il n'y euh, a aucun problème à ce niveau-là. Hein. Euh, donc euh, voilà. Hein, je pense que j'ai fait le tour au niveau de cette fameuse quête. Donc, euh, et je ne sais même plus si je l'ai précisé, mais récompense euh, finale. Euh, pour les joueurs qui sont évidemment ss 21 et ben on peut rafler une ss 21 masculine ou féminine. Mais en revanche, ceux qui sont au niveau inférieur, que ce soit Forge, ou WrestleMania 37, ou, ou Royal Rumble 21, euh, voilà. Ceux qui sont au niveau inférieur à SS21, ben vous, 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 vous obtiendrez une carte de votre niveau. Si vous êtes Forge, vous aurez une Forge masculine ou féminine. Ou si vous êtes Royal Rumble 21, vous aurez une Royal Rumble 21 masculine ou féminine, voilà. voilà. Vous aurez une carte qui... Vous aurez une récompense qui correspond à votre niveau, voilà. Vous aurez une carte de votre niveau, masculine ou féminine, voilà. Rien de plus compliqué. Maintenant que le Giant est terminé, on va aller ouvrir les packs. Donc sachez une chose, c'est que j'ai quasi pas joué le Giant malheureusement parce que au War Games, j'ai loupé la carte event de peu, donc c'est un peu con, hein, mais c'est des choses qui arrivent malheureusement. Mais on essaye de faire en sorte que ça n'arrive pas, heureusement. Mais enfin bon, c'est pas grave, au moins ça m'a fait un peu de repos. Arrête bien, arrête bien méchant. Donc allez, let's go, on va aller ouvrir euh, les packs. Donc on va commencer par euh, euh, par celui du bas. Hein. Euh, J'ai fait 3 millions et quelques sur le sur Walter. Donc euh, sur ce pack, on peut obtenir deux cartes de niveau Royal Rumble à SS21. Donc c'est que des masculines évidemment. Donc ça va être que des masculines de toute façon. Donc euh, du coup, let's go. Bonjour à la chance, allez. Deux forges ça va ça va ça va ça va, ça, va. Euh, Giozo, ça doit être une pro et Xavier Woods également je vais aller vérifier euh, Xavier Woods c'est une F1 mais J J c'est pas c'est pas c'est J ouais c'était J ouais J euh, oui c'est pas une pro mais mais par contre Xavier Woods c'est une fortifiée niveau 1 non euh, j'ai non, il n'est pas dans cette, cette forge, je pensais, mais, mais bon, allez, on va enchaîner. Euh, Celui-là. Euh, Pit Dune, j'ai fait un million cent mille et quelques. Donc toujours pareil, la récompense, euh, deux cartes de niveau Royal Rumble 21, ASC 21. La chance, il y a une forge, ça va. Kane qui me fait une pro. Ça va. Ce cas-là, c'est pas encore trop dégueulasse. Mais maintenant, on veut de la SS21, les, les mecs. Hein. Donc Drew McIntyre, j'ai fait 3 millions et quelques. Les règles, toujours pareil, et là, encore. Donc, euh, c'est deux masculines de niveau Royal Rumble 21. Et euh, SS21. Ok, c'est pas terrible, c'est que de la Restorane 37. Ça me sert à rien du tout. Euh, donc ici, j'ai fait 500 000 sur Bretart. La récompense, euh, de, deux cartes masculines à, de horde à SS21. Donc, on risque d'avoir plus de la merde qu'autre chose. Voilà, c'est ça. Une Rumble 21 et une Restormania 37. Qui servent à rien. Encore une fois. Euh, 200 000 et quelques sur, euh, Babam Biglow. Donc, la récompense, voilà. Donc, c'est deux cartes de niveau horde à, à SS21. Oh! Putain! Il y a une SS21. Oh putain! Oh putain, ça mise une! Pro! Génial! Ça, c'est magnifique! Et sur, et sur un pack de merde en plus! Hein. Sans déconner! Hein. Et ça, ça, ça se joue sur deux cartes Horde à SS21 et j'ai eu une SS21 parmi les, parmi les deux cartes. Et c'est une pro en plus! Et la chance la plus improbable! Franchement, là, j'ai fait fort! Euh, donc là, c'est pas combattu, j'ai pas eu le temps de regarder, bon, c'est de, de la merde. Euh, pour le biomécanique, on s'en fout. Et dernier pack, 3 millions et quelques sur de Michaels. Euh, ça va de deux cartes masculines à SS20 à Forge. On espère une Forge. Bon, c'est pas grave. Euh, ça sert à rien. Bon, que, euh, conclusion, j'ai eu une Sami Zayn, euh, une carte de Sami Zayn qui me fait une pro. Donc euh, c'est incroyable, hein, voilà. C'est vraiment top, là c'est cool, ça va. Je me plains pas de ma chance, c'est super. Et maintenant on est sur le compte de Tata Pollet, donc euh, on poursuit les packs euh, les ouvertures de packs euh, du Giant, voilà. Euh pourquoi... est qu'il y a un... Ouais y a un. Hein, c'est un combattu. Donc on va commencer par le pack combattu. Eddie Ziggero, donc euh, Voilà. Une carte de niveau SS-20 à la Forge. Ouais, Orton Biomécanique. Bon, on s'en fout un peu, hein, honnêtement. Euh, elle a fait 3 millions et quelques sur champ Michaels. Ok, de la Elle a fait 10 millions et quelques sur Bretard. Donc, c'est pas clos, c'est deux cartes de niveau hors à SS-21. Il y a une forge, bon ça va. Johnny Gargano, donc je sais pas si, si ça va te servir, mais je mets la sécurité, voilà, je mets le cadenas. Hein Elle a fait 19 millions et quelques sur Pit Dune. J'ai même pas ouvert, j'ai même pas regardé ce qu'on pouvait avoir, dans c'est pas que là. bon, enfin bref. Elle a une forge, bon Kevin Owens, bon c'est pas dégueulasse. Je lock. Euh, elle a fait 300 000 sur Bim Bam Biglo, donc ici on peut avoir deux, deux cartes de niveau de niveau horde à SS21. Une forge, bon, on enchaîne les. Euh, elle accumule les forges, là, c'est bon, ça va, mais on veut de la SS21 quand même. Jimmy euh, Uzo, bon, euh, je, je mets le canne Après, tu verras si ça va te servir, si jamais ça te sert pas, ben tu, tu tèges. Hein. Voilà. Euh, elle a fait 20 millions, 20 millions et quelques sur Drew McIntyre. Donc, dans ce pas là on peut avoir, elle peut avoir de, 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 de cartes de niveau Royal, de Royal Rumble 21 à, et 16-21. Let's go. Ça, so, on euh, on accumule les forges, là, quand même. Randy Oh, putain. Là, t'avais, pas le roi. Non, 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 t'avais pas le droit, non, 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 non c'est non, 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 c'est pas possible, non, 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 ça c'est, non, 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 t'avais pas le droit, t'avais pas le droit, enfin, clairement t'avais pas le droit, pas avant moi, non, mais je dis GG quand même. Euh Dernier pack, euh, elle a fait 500 000 sur et quelques sur Walter, donc euh, ici toujours euh, deux cartes de niveau, Royal Rumble 21 à SS21, donc c'est la dernière chance de, de décrocher, d'obtenir une SS21 sur ce compte voilà donc allez la chance doit être là bon que ce soit pour une autre fois bon Edge la 37 et Jim de neville Neidhart voilà je lock aussi voilà euh, je vais regarder tes pros vite fait euh, forge combinable euh, donc euh, du coup ben je te tu pro Kevin Owens euh, Randy Orton euh, euh, Jim Neidhart euh, et puis c'est tout je crois que je t'ai chopé Orton euh, Neidhart et, et Owens en, en pro donc euh, ce qui est pas trop mal quand même je pense malgré que on n'est pas réussi à, à, à obtenir de SS21. Donc si on regarde ton deck euh, RTG, ben euh, t'es quasi full. Ouais, il te manque une, il te manque une, une masculine pro euh, forge. Ouais. Après, éventuellement, si on regarde le deck giant, éventuellement tu vas en avoir, tu vas en avoir, tu vas en avoir encore. Ah, tu vas avoir encore besoin de deux de, euh, ou trois forges pro. Hein. Bon, il faut les bonnes flèches, hein, sinon ça va pas aller. Et maintenant on enchaîne avec le compte de Scormic. Voilà, go. Euh... Donc, on va commencer par le pack euh, combattu, voilà. le pack le moins intéressant dans, dans, dans tout ça. Donc, euh donc ici, euh, une carte de niveau SS20 à Forge. donc euh, Il a fait 1, 1, 1 million et quelques sur Eddie Guerrero. C'était le dernier géant, donc voilà, c'est une horde, on s'en fout. Donc, il a fait 64 millions sur Drew McIntyre. Donc, euh, ici, deux cartes de niveau au Royal Rumble 21 à ss 21 donc faut que la chance saute avec nous. Euh, une forge. Mais pu... Non, mais arrêtez, c'est pas drôle. Non, franchement, c'est pas drôle. Euh, 66 millions sur Pit Dune, donc euh, les récompenses sont les mêmes. De cartes de, de niveau Royal Rumble 21. à et c 21. Ok, de la merde. Euh... 31 millions sur euh, Bret Hart. Donc deux cartes de niveau Horde à SS21. Euh, J'ai rien à dire. 24 millions sur, et quelques sur euh, Shawn Michaels, Donc deux quarts de niveau SS20 à la forge. Ah ouais, bon, là on, a, on touche le fond là. Donc sur ce compte là il nous reste deux packs à ouvrir. Donc l'effet 51 millions et quelques sur Bam Bam Bigolo. Donc dans ce pack-là c'est... on peut avoir deux cartes de niveau horde à SS21. Donc on espère avoir une SS21 évidemment comme d'hab. Hein, ça peut pas changer. Une forge, oui, bon éventuellement, ça peut être cool, même si bon ça commence à plus trop nous servir. Hein. Étant donné qu'on est tous euh, pratiquement en SS21. Euh. Donc euh, Mick Foley, hein, euh, qui était de passage, et de passage, ouais. Donc euh, dernier pack, donc il a fait 72 millions et quelques sur euh, Walter. Donc euh, le pack, on peut avoir deux cartes de niveau, Royal Rumble 21 SS 21. Donc c'est le moment d'enfin essayer de choper une putain de SS 21. Allez. Donc euh, là, c'est le pire pack. Hein. Enfin, l'un des pires. Au minimum on peut avoir des rois Rumble 21 et c'est que des Royal Rumble 21. Donc euh, conclusion on a eu que de la merde, voilà. Donc euh, désolé hein, j'ai fait de mon mieux. Désolé euh, gros, hein, franchement. Désolé. Maintenant on est sur le compte du tonton. Hein. Donc on va aller on continue les ouvertures de pack du Giant, évidemment. Euh, donc, on va commencer, comme d'hab, par le pack euh, combattu, le, le pack le moins intéressant, je pense. Donc, euh, il a fait 17 millions et quelques sur euh, Eddie Guerrero, qui était le dernier, dernier gérant de ce, de cet event, hein. euh, on, donc, si ce pack-là, donc, on va avoir de la merde, c'est sûr et certain, je peux vous le dire. Donc, euh, une, ça va, on, a, on peut avoir une carte de, de niveau SS, SS20 à Forge, voilà. Donc, attendez-vous pas à des miracles, voilà. C'est de la merde. Donc on enchaîne. Il a fait 20 millions et quelques sur Bretard. Donc ici, c'est pas qu'on peut avoir deux cartes de niveau hors d'ACS-21. Allez. C'était clairement de, de, de la merde. Ok, une BMO et une Royal Rumble 21, c'était de d'Adobe. Ici, il a fait 17 millions et quelques sur euh, Shawn Michaels, donc ici, ça, on peut avoir deux cartes de niveau SS-21 à Forge. Ouais, bon, c'est pas, pas fou là, pour l'instant. Euh, 58 millions sur euh, Drew McIntyre, donc ici, on peut avoir deux cartes de niveau Royal Rumble 21 à SS-21. Donc allez, faites péter la SS-21. Tiens. Ouais bon c'est pas c'est pas ce qu'on veut hein. donc il reste plus que deux packs. ah oui quand même donc ça c'est limite un record j'ai envie de dire la remontée du siècle donc 100 millions sur Walter ouais, putain. Donc on peut avoir deux cartes ici de cartes de niveau royal Rumble 21 à 21 donc il faut faire péter de la SS 21 Vandame, nice. Hop, je loque. ouf euh, pour finir. Dernier pack donc 72 millions et quelques sur euh, Pit Dune. Donc, on peut avoir deux cartes de niveau Royal Rumble 21 à SS21 comme d'hab, évidemment. Enfin, comme d'hab, comme les packs précédents, les ouais, comme le pack précédent. Donc, allez, une SS21 encore de Forge. Ouais, bon. Ça doit plus te servir, je pense. Donc euh... bon, au moins j'ai réussi à t'avoir à, à une SS21, donc euh... c'est nickel. Donc euh, je te rends ton compte, hein, voilà. Je vais te ton pack gratuit avant de, de, de leur laisser l'accès. Hein. Voilà. Donc on poursuit avec euh, le compte de Floki, hein, donc euh, toujours. Euh... Avec les packs du Giant, voilà. Euh, on va commencer par le pack, euh, qu'on hein, Comme d'hab, le pack le moins intéressant de de, 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 tous. Voilà. Donc, il a fait 6, 600 000 et quelques sur eddy voilà. Donc, une carte de SS20 à Forge, voilà. Donc, on risque d'avoir de la merde. Évidemment, Santos Escobar Horde, qui sert à rien. Euh, 32 millions et quelques sur euh, Bretard. Donc, euh, deux cartes de niveau Horde à SS21. Oui, bon, c'est pas, ouais, c'est bon, c'est pas, euh, c'est pas fou non plus, quoi. Allez, on veut de la SS21, maintenant hein, les mecs, hein, Allez. 1 euh, un million et quelques, un million huit cent et quelques sur euh, Bam Bam Bigelow. Donc, ils sont ça va de deux cartes de, de, niveau Horde à SS21. Ok, la dobe. C'est pas ce qu'on veut. On veut de la 21 Allez. 70 millions et quelques sur Pit Dune. Donc, c'est deux cartes de niveau. Royal Rumble 21. Allez, 16-21. Donc, déjà, c'est plus possible qu'on ait une 16-21. Les chances sont plus fortes, on va dire. Allez, let's go. Une forge. Bon, ça peut aller à la limite. MVP. Ouais, bon. Euh, il reste plus que trois packs. Hein. Allez. Allez. 2 700 000 et quelques sur Walter. Donc deux cartes de niveau Royal Rumble 21 et SS21. On perd pas espoir. On veut une SS21. Sachant que ça ne va pas être pour cette fois-ci non plus. Hein. Donc il a fait 1 200 000 et quelques sur Champ Michaels. Donc euh, là, c'est deux cartes de niveau SS20 à Forge. Ok, là, de la euh, clairement. Allez, dernier pack. On perd pas espoir. Donc 9 millions et quelques sur Drew McIntyre. Donc deux cartes de niveau Royal Rumble 21 à S21, c'est le dernier pack. Allez. Oui. Oui. Oh Johnny Gargano. Nice. C'est bien ça. Euh, Je vais vérifier si elle te fait une pro euh, par hasard. Ce qui est bien possible hein, d'ailleurs. Euh, Combinable Forge, ben... J'ai rien chopé en pro. Par contre, t'as de la belle pro parce que, bon, euh, Randy Horton était en pro et puis euh, Riddle en, en, était en pro aussi. Euh, c'est pas, pas mal. bon Mais par contre, euh, Profusion Mace, ça, par contre, euh, c'est de la merde. Voilà. Euh, si je peux me permettre, je vais peut-être changer de, de la tour de Garton parce que, pas fou, hein. C'est pas pas fou <laughs> euh, je vais mettre euh, celle-ci, l'image de la s 21 voilà. j'aime beaucoup la tourque d'ailleurs, assez fan, de son network de la, la S1621 d'Orton. Euh, par contre, attends, vais pas regardé. s 21 incombinable. Non. T as juste la event ouais qui, qui te fait une pro semi-heroic. Nice pour la pro semi, hein, d'ailleurs. Bon je suis pas à côté malheureusement. <laughs> Mais bon, c'est pas, pas grave. Eh, ah ouais c'est vrai. Le stock euh, max de crédit qu'on peut récolter c'est 50 000. Donc du coup il peut pas récupérer les packs gratuits, malheureusement. Eh. Donc du coup j'ai fini j'en ai fini avec ton compte, hein, voilà. Donc comme vous avez pu le constater là, il y a quelques secondes, je viens de piocher cette Rollins dans le tableau de draft exclusif et malheureusement ce n'est pas une pro donc euh, c'est pas bien grave hein, parce que c'est quand même une top tier donc euh, ça se prend largement hein, et j'arriverai à le pro par la suite donc il euh, n'y a pas de problème euh, de ce côté là. Et il faut savoir que cette Rollins reste quand même une top tier hein, je pense, il hein. n'y a pas de doute euh, là dessus. Hein ça reste une superstar plutôt bien placée dans le classement dans chaque tiers voilà. donc ça fait plaisir donc on va regarder un peu les que rapidement euh, qui correspondraient bien avec le design de la carte voilà. donc j'ai bien envie de tester sa carte la de sa carte brisée spécial portrait de sa carte LMS qui est qui est arrivé euh, durant le tiers précédent donc le tiers forge voilà si vous avez suivi donc euh, la tour qui est pas dégueulasse en plus à la base euh, plutôt stylé d'ailleurs donc c'est assez original voilà. et bah, ça, ça donne un bon rendu j'aime beaucoup en plus donc euh, ça fait ça rend bien voilà j'aime bien après je peux aussi essayer la tour que de de sa Wrestlemania 37 voilà. Qui rend... Qui rend bien aussi, ouais. Éventuellement. Ou encore euh, la torque de sa... Allez. De sa carte hors de Money in the Bank euh, service Series. mais voilà. bon. C'est ce genre d -là que je viens de là-là que je viens de tester. Euh, que je viens de tester, ouais. Donc euh, elle passe plutôt bien. Surtout la torque de sa brisée. Là, mais je pense que je vais laisser la, la torque de base, donc celle-ci, voilà. Donc c'est pas plus mal. Je vais, je vais laisser celle-ci, ouais. Et pour on finir, le pack euh, final, où on a une SS21 de garantie, étant donné que je suis SS21, voilà. Donc euh, ce, soit j'aurai une masculine, soit j'aurai une féminine. Euh, au choix. Ah ouais Jimmy Uso Donc euh, bon ça va, c est, c est, ça va. Euh, dernièrement, j'avais eu son frère euh, Jay du coup. Euh, dans une règle euh, dans une rec, ouais, de, de TBG qu'on avait gagné. Donc euh, du coup, maintenant j'ai les deux. J'ai les vrais Russo euh, en ss 20. Manque plus que la version pro, puis ce sera parfait. Hein hein donc euh, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette euh, vidéo euh, opening, euh, vidéo pack opening euh, du Giant. voilà Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous, vous avez eu dans parmi les packs. Euh, euh, du Giant, ce que vous avez eu d'intéressant, et, et également ce que vous avez eu parmi euh, dans cette quête euh, aide of the Table, la quête spéciale de Roman Reigns. Donc voilà, la routine vous la connaissez. Je pense que j'ai plus trop besoin de, de vous la répéter parce qu'avec le temps, on, on retient. Voilà. Donc euh, du coup, on va certainement voilà, comme je disais. Donc du coup, ben portez-vous bien et ciao, à la prochaine.